Que seraient devenus tous ceux qui vivent à la périphérie, aux avant-postes de la civilisation française, si son foyer n'avait pu retrouver son intensité? Nous n'avons jamais douté que la France reprendrait son rôle dans sa grande tradition. Et c'est elle que nous accueillons en votre personne, avec notre respect, notre reconnaissance, notre admiration, notre confiance et notre sentiment d'indestructible attachement. La France est magnifiquement présente à cette exposition universelle par la beauté architecturale de son pavillon national, par les témoins de son génie créateur dans le domaine de la science, de la pensée, des arts et de la mise en valeur de son territoire. Monsieur le Président, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue sur la terre des hommes. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, combien est impressionnante, c'est imposante cette magnifique réception à l'exposition universelle canadienne de Montréal. Du reste, je sais, avant même de l'avoir visitée, que cette extraordinaire exposition est consacrée au service de l'homme. C'est un témoignage de plus. C'est le premier témoignage qu'il convient de lui rendre et c'est le témoignage que la France lui rend. Avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, je vais donc visiter l'exposition, le pavillon de la France, le pavillon du Canada, le pavillon du Québec, et quelques instants, les pavillons d'un certain nombre des pays du monde qui, même quand ils se trouvent en apparence plus ou moins dans des camps séparés, sont tous les amis de la France, et c'est son honneur à elle de le dire et de l'avoir voulu.